Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on joue à un petit jeu assez spécial. Je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait des jeux d'horreur sur Google, des jeux flash comme on appelle. C'est sûr qu'on aurait pu jouer à n'importe quoi de plus simple, plus basique. Tu sais, mettons, j'aurais pu jouer à Slenderman, Resident Evil, j'aurais pu jouer à n'importe quoi, mais malheureusement, j'ai pas de budget pour acheter des jeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un des petits jeux flash. C'est parti! Donc, on commence tout de suite avec le jeu Evil Asylum sur le site jeu.fr. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Je sais même pas de quoi ça parle. Bon. L'asile a été appelé Evil. A été appelé Maléfique. Parce que, depuis le jour qu'il a ouvert ses portes en 1865, quand il a finalement fermé ses portes en 1977, on peut dire qu'il y avait un peu de maléfique dans cet asile. Les patients n'étaient pas les seuls qui étaient devenus fous dans la tête. Quand quelqu'un a rentré, corrigez-moi si je me trompe, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant, c'est à ton tour d'aller en dedans et de voir qu'est-ce qu'il y a en dedans de cet asile. Bonne chance! Ok. Est-ce que... The door is locked, the keyhole is blue. Ah, mettons du ciel bleu, que ça n'a pas rapport, non. C'est de la grosse merde. Non, mais sincèrement, si ça, t'appelles ça un jeu d'horreur, ben, mes félicitations, t'as gagné un diplôme. Bravo. Ok, gare aux ours. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler, gare aux ours? Ça doit être un ad, ça. D'après moi, ça doit être assez plus bon que les jeux qu'on est en train de jouer à ce moment parce que ça. C'est ça. Ok, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, wow! Ok. Ok, on est dans le char et on a ramassé un ours. Niveau 1 de 5. Ok. Coupe. As you get close to them, you'll hear the music get louder. Be careful, be careful. Wow! Holy shit, ok. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à une fin peut-être plus. Quelque chose que ça, que marcher. Niaiser un peu partout dans le bois, puis dans le fond, les ours, on peut jamais savoir où ils sont. Hey, c'est horreur. Hey, j'ai jamais vu un jeu aussi erreur que ça, c'est malade. Pourquoi on va pas jouer plutôt à Five Nights at Freddy's 3? Vous devriez plutôt vous garder de l'argent, faire ce que je fais pas, pour pouvoir vous acheter des bons jeux. C'est ça. Bon, je sais que ma concept de vidéo, c'est peut-être pas la meilleure qu'il faut, mais ça m'intéressait de voir les jeux d'horreur qu'il y avait sur Internet. Ça fait une couple de fois que je fais comme, voyons. C'est pas vraiment juste les jeux qui coûtent 80$ sur la One puis la PS4 ou des jeux sur ordi ou qu'on joue sur Oculus qui coûtent vraiment cher. Ça coûte peut-être cher pour rien parce que peut-être qu'on peut en avoir des mieux sur Internet gratuitement même. Puis j'ai remarqué que c'est quoi le vrai flash, c'est Scratch. Ça a l'air d'être le vrai. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu-là. Première nuit. Là, on va attendre un téléphone sonner. D'habitude, on attend tout le temps un téléphone sonner au début, mais cette fois-là, je sais pourquoi on l'a pas entendu. Il a l'air d'avoir rien. Ok.
Ça fait du bien. Je crois que le jeu avait comme vraiment lagué. On dirait qu'on peut même pas rebooter. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est pas la bonne version du jeu. Je connais FNAF, mais on dirait que c'est pas la vraie version. Je comprends pas pourquoi. Ça fait chier. Une joke de pute insérée dans la vidéo. Wow, tu penses faire 10 000 vues avec ça? Non. Quand tu veux jouer un jeu, c'est même pas le bon, puis il y a des bugs tout le long. C'est vraiment de la merde. Y a-tu au moins un jeu que je vais pouvoir faire peur? T'sais, seul dans le noir, tu sais. Quand t'es seul dans le noir, t'es dans la forêt, peut-être que ça foutrait les jetons. Je m'en fous de tes pieds, je veux pas voir tes pieds. On peut même pas jouer. Il nous faut installer un web player pour pouvoir jouer. Oh, il n'y a pas un jeu d'horreur que je peux jouer correctement. Merde. C'est la première vidéo que je fais qui n'est pas préparée du tout, que j'essaie de vous montrer des choses, mais c'est comme vraiment, vraiment foutu. Le sommeil trop profond. Un jour, je vais trouver un jeu d'horreur un peu pas pire, pas trop cher sur Steam, et je vais vous faire un super bon gameplay. Gameplay. New game. Ce jeu m'a totalement l'air de la merde. For the best gaming experience, use your headphone and turn off the light. C'était marqué, mais je vois un peu vite, mais je vais dire, I woke up at the middle of the night, I couldn't move or say anything. Tu pouvais pas bouger, ni dire quelque chose. Et il y avait quelqu'un qui était dans ma chambre. A cold night outside. C'est bien. Ok, là en ce moment, il y a plus de bruit partout, là. Ça me stresse. Il n'y a plus aucun bruit. Putain de merde. Is someone there? Il y a quelqu'un en avant, je cite là. Ici, vous voyez? Putain de merde. Oh my god! I can't move! Asti! Ça, c'est quelque chose qui me fout un peu à chienne. Je vais baisser le son parce que des fois, pour nous faire la chienne, ils nous mettent à gueuler, mais genre fucking fort dans les oreilles. Pah! Mais genre de même dans le jeu, sans qu'on s'y en attende. Juste, c'est comme Night Outside. Tabarnak! Hey, ça a même pas fait peur, puis j'ai eu un petit peu le saut. Tu sais, vous voyez un peu le genre de jeux qui me font peur. C'était extrêmement mal fait. Mais juste le fait qu'il n'y ait aucun son et que tout d'un coup ça parte. Ok! Je crois qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Ah, c'est barré, c'est sûr. The shelf is empty. Qu'est-ce que. C'était... On peut pas avoir... Ok, attends, j'ai une bouteille. Oh! Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Holy shit! Ok. Je dois peut-être avoir quelque chose ici. Le jeu, il lag un peu. Est-ce qu'on peut retourner par en arrière, je pense? Je crois qu'on peut même pas retourner par l'arrière. Au moins, on aurait dit que j'ai fait le saut. Je sais pas s'il y avait une suite. Je sais pas si on pouvait faire quelque chose d'autre. Mais ça me valait vraiment... Slenderman doit mourir. Sincèrement, les jeux Flash, je vous conseille pas ça. Tu sais, les petits jeux qu'on jouait quand on était à l'école primaire et que on avait le droit de jouer parce que tous les sites étaient débloqués, on pouvait vraiment jouer à tout. À cette heure, tout est bloqué à ce que mes frères me disent, puis on peut plus rien jouer partout. C'est rendu vraiment de la merde, là. On peut pas jouer à rien partout, mais c'est ce genre de jeu-là qui nous effrayait quand on était petit. Ou peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, je m'en souviens plus. C'est quand même louche. Ah! Je suis déçu. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si moi, j'ai rien pu faire partout, j'ai rien pu jouer. C'était vraiment... Ben, j'ai rien pu jouer. J'ai pu jouer une coupe d'affaires, soit que FNAF, c'était même pas le jeu complet. Et soit qu'on pouvait pas jouer à cause de Unity Web Player, ou soit qu'on pouvait vraiment rien faire. Moi, j'ai fait un petit saut dans le jeu, dans le tête dans la chambre, puis il y avait l'espèce de monstre qui est arrivé dans notre face de même.
Après ça, on pouvait marcher, mais on pouvait comme rien faire de plus. On se rendait au bout du couloir, pis c'est comme si c'était la fin. Je comprends pas c'était pas vraiment le but de ces jeux-là. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Si vous voulez que... Si vous trouvez des jeux Flash qui sont assez effrayants, des choses que vous voudriez que j'essaie, gratuit, en fait, j'espère, il faut que ce soit gratuit, ou que ce jeu est dans Steam. Si c'est un jeu Steam gratuit qui fait peur, que vous connaissez, laissez tout ça dans les commentaires. Je vais regarder ça. J'espère que vous avez apprécié. Donc, sur ce... Partagez, like, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la méthode, les petits potes. Ciao!